Et c'est pas parce qu'on a poussé la chansonnette qu'il pleut, Céline D'Acosta, c'est une constante ce matin encore. Et oui, d'où cette vigilance orange forte pluie et inondation qui reste en place entre le nord et le centre sur 23 départements. La carte des vigilances est disponible sur franceinfo.fr. Des averses particulièrement soutenues en ce moment entre le nord de Paris et l'Indre-Loire. Ces pluies vont se décaler cet après-midi vers l'ouest et le centre-ouest et resteront soutenues du Cotentin jusqu'en Auvergne en passant par le Limousin. Elles seront plus éparses à l'est mais encore bien présentes. Puis ça va se calmer un petit peu en soirée, mais on attend encore des averses pour demain, jeudi, vendredi, avec au fur et à mesure moins de pluie tout de même et un retour au calme pour ce week-end. Là où le temps est plus clément aujourd'hui, c'est sur l'ouest, la Bretagne, près des côtes atlantiques et de la Méditerranée aussi, avec des nuages, mais un temps sec et quelques belles éclaircies encore. Les températures, on garde les mêmes qu'hier? Oui, pas beaucoup de changements, c'est vrai. Pardon, avec 10 degrés pour la plus basse à Millau, 12 à Paris, 14 à Lyon, 16 à Nice et 17 à Toulon. Et puis cet après-midi, elles resteront 3 à 5 degrés inférieurs au normal de saison, 14 à 21 degrés en général, jusqu'à 24 degrés pour Marseille et Bastia. Merci Céline.